Cet après-midi pour participer à cette table ronde concernant le cancer de la prostate. Et c'est très important pour les hommes d'avoir des informations et de savoir vraiment ce que c'est que le cancer de la prostate. Parce que c'est l'un des cancers les plus courants chez les hommes après 50 ans. Vous allez tout savoir la manifestation. Bon, nous n'avons pas établi le plan, mais tout de suite, nous allons passer par l'explication, par la définition et voir la prostate au point de vue anatomique. Et ensuite, moi, avant d'aborder le cancer de la prostate, je voudrais quand même parler de l'hypertrophie bénigne de la prostate, parce que ça commence comme ça. Le plus souvent, on a une hypertrophie bénigne, et c'est aussi courant, et c'est même plus courant que le cancer de la prostate. Donc, avec l'hypertrophie de la prostate, on va quand même voir comment ça évolue. Donc, la prostate, c'est une petite glande de la grosseur d'une noix qui est située et qui pèse une once et qui fabrique le liquide spermatique. C'est le liquide qui véhicule le sperme. Vous savez que le sperme est fabriqué au niveau des testicules, des testis, et le liquide spermatique, c'est le véhicule du sperme. En tant qu'on appelle anatomique, en disant que la prostate entoure la partie initiale de l'urètre, c'est ce qu'on appelle l'urètre prostatique, et ça se situe en dessous de la vessie. Vous pouvez voir quand même le schéma, mais si quand même vous regardez le schéma, ça se situe en dessous de la vessie, au-dessus du plancher périnéal et en avant du rectum, et en arrière de la symphyse pubienne, et également autour du carrefour formé par les voies spermatiques et l'urètre. L'urètre, c'est le canal par lequel passe l'urine, et les voies spermatiques, c'est la voie qui laisse passer le sperme et les spermatozoïdes. Donc, étant donné que quand le cancer se propage, il y a une propagation qui se fait au voisinage et une propagation qui se fait à travers les vaisseaux et les voies lymphatiques. C'est pour cette raison-là, on nous donne une idée du drainage lymphatique de la prostate avec, je ne peux pas, ce qui est la branche qui se trouve le plus à l'extérieur, au plus externe, tu vois, c'est l'iliaque. C'est l'iliaque externe et l'iliaque interne. Ça, c'est le tronc commun de l'iliaque, ça, qui se divise en iliaque interne et iliaque externe, et puis les pédicules hypogastriques vers les ganglions iliaques interne, et puis les pédicules sacrés, c'est-à-dire du côté de la colonne sacrée, du côté du sacrum. Il y a des ganglions, et ces ganglions peuvent être affectés par un développement du cancer de la prostate. Par définition, disons que l'hypertrophie bénigne de la prostate, c'est une tumeur ou une hyperplasie, ou une hypertrophie bénigne de la prostate qui se développe au dépens de la zone traditionnelle. Avec le temps, ça se développe, mais le développement se fait progressivement.
Donc il y a des types, il y a des types d'adénome, il y a des types d'adénofibromes et le type d'adénome, c'est-à-dire à partir de glande, de la glande mère, parce que c'est une glande, et la prostate est une glande, et adénofibrome, la glande associée à du tissu conjonctif. Donc et quand ça s'associe, on appelle ça l'adénofibrome. Et le néomyome prostatique, c'est au dépend du muscle, pour ça que c'est plus, il n'y a plus de muscle à ce niveau-là, au niveau du néomyome prostatique. On est toujours dans l'hyperplasie bénigne de la prostate. L'épidémiologie, ça, la fréquence augmente avec l'âge. Elle est très fréquente sur le plan histologique après 50 ans. Plus fréquent chez les Caucasiens, ces blancs-là, et moins fréquent que chez les Asiatiques. Ce n'est pas les Asiatiques, eux, ils ont une façon de vivre, une consommation, ils ne consomment pas n'importe quoi. Je ne peux pas insulter les Japonais, mais nous savons qu'il y a des Chinois qui consomment tout. Hein? Il y a des Asiatiques qui consomment tout. Mais en même temps, ils consomment beaucoup de TVA, et le TVA, ça protège contre le cancer de la prostate. Et puis il y a les facteurs alimentaires. Facteurs alimentaires, nous savons que on va voir que l'alimentation quand même a un rôle à jouer dans l'hyperplasie et le cancer prostatique. Et il y a un facteur hormonal, c'est-à-dire l'androgène et l'hormone mâle, quand c'est en excès, et ça a un rôle assez risquant pour la prostate. Un facteur génétique aussi, les gènes et l'hérédité, ça c'est avec les gènes, c'est l'hérédité. Et puis le rôle d'inflammation et d'inflammation. Le rôle d'inflammation, c'est quand même, j'ai pas parlé des infections de la prostate, par exemple la prostatite, tout ça, et ce qui prédispose quand même à l'hypertrophie prostatique et au cancer prostatique. Donc, c'est un développement androgéno-dépendant, c'est-à-dire que l'androgène, hein, l'hormone mâle, qui favorise le développement de l'hypertrophie prostatique et du cancer de la prostate. Je ne sais pas si on voit bien, on peut pas le voir, on voit bien. Au point de vue clinique, hein, pour l'hypertrophie bénigne de la prostate, c'est longtemps asymptomatique. Ça dit ça. On ne peut pas l'agrandir. On ne peut pas l'agrandir. L'agrandir, c'est flou un peu. Pas vraiment, en fait. Ah, ok. C'est quand même. Bien sûr, ça, un peu plus noir. Ou bien on s'approche plus près. Ou bien. Moi, je vois bien. On s'approche plus près. Ok. On s'approche si on ne voit pas bien. C'est longtemps asymptomatique, c'est-à-dire que ça ne donne pas de signe. Ça ne donne pas de signe au début. Et même ce développement, c'est un développement très lent. Et il y a des troubles missionnels associés, troubles obstructifs, hein, de l'urètre, parce que vous savez que ça enveloppe l'urètre, donc avec une hypertrophie. Et ça se développe et ça a tendance à rétrécir, à coincer et quand même le canal et de l'urètre. Et puis, et ça va occasionner tous les troubles avec l'obstruction partielle d'abord. Et c'est-à-dire, on va avoir une dysurie, c'est-à-dire une difficulté à uriner avec douleur, associée avec douleur, etc. Et des gouttes retardataires, c'est-à-dire que vous urinez et encore il y a des gouttes qui viennent. Et c'est pas fini, il y a du résidu, d'urine résiduelle. Et pour la chimie, c'est que quand vous urinez souvent aussi, et puis miction impérieuse, c'est-à-dire vous savez, quand vous voulez faire pipi, c'est comme un impératif. Vous ne pouvez pas vous retenir. Et les complications, c'est un saignement au niveau de l'urine. Il y a du sang au niveau de l'urine. Il y a la rétention aiguë, vésicale aiguë, c'est-à-dire qu'à cause du rétrécissement, l'urine va rester dans la vessie et ça va gonfler. Et ça va se gonfler à tel point que des fois, l'urgence, c'est d'aller à l'hôpital et de passer un cathéter pour pouvoir permettre à l'urine de sortir. Il y a ce qu'on appelle le globe vésical, c'est douloureux. Quand vous avez le globe vésical là, vous ne pouvez pas uriner et l'urine s'accumule dans la vessie et ça gonfle et ça fait mal. Donc c'est avec ça on soulage. Et puis la rétention chronique et les calculs vésicaux, c'est-à-dire que les pierres qui s'accumulent avec la stagnation de l'urine dans la vessie, on a tendance à avoir des calculs vésicaux qui
se forment, des pierres qui se forment dans la vessie, etc. Donc, et avec une dilatation, quand c'est le rétrécissement, l'urine ne peut pas circuler, s'évacuer normalement. Avec ça, ce qui arrive, c'est qu'on va avoir en amont, on va avoir une dilatation et des calices au niveau des reins. Ok, on va avoir une dilatation du haut appareil urinaire. Et puis il y a risque d'insuffisance rénale obstructive. Avec ça, il y a risque d'insuffisance rénale obstructive. Vous voyez toutes les complications qui viennent avec. Je devais passer là. Donc, pour l'hyperplasie bénigne de la prostate, évolution bilan, toucher rectal, faire une télémétrie urinaire pour un coupe débit sur pression pour pouvoir évaluer l'efficacité ou le fonctionnement adéquat de l'appareil urinaire. L'échographie rénale et vésicale, c'est important, on fait l'échographie pour pouvoir voir et non seulement l'état de la prostate, l'ampleur de la dilatation, de l'hypertrophie de la prostate, tout ça, et l'urographie intraveineuse, c'est une substance de contraste qu'on injecte dans la circulation et qui passe par les urines, et comme ça on peut voir quand même l'appareil urinaire de façon plus claire. Et puis la cystoscopie, c'est l'appareil, le cystoscope qu'on introduit à travers l'urètre et qui permet de visualiser les parties et la muqueuse, tout ça, et voir plus clair ce qui se passe. Je ne sais pas si tout le monde entend et on suit. Ok. Oui. Très bien. Bon, comme traitement médicaux de l'hypertrophie bénigne de la prostate, on a le tamsulosine, qui est un alpha bloquant, alpha 5 réductase, et qui est utilisé dans l'hypertrophie bénigne de la prostate. Mais il y a des effets secondaires. Les effets, et quand même avec ces médicaments-là, c'est comme ça. Il y a une diminution de pulsion de la performance et sexuelle. Et oui. La prostate, là, quand on souffre de la prostate, et puis quand on, même après l'intervention, et une ablation de la prostate, une résection de la prostate, là, il y a comme conséquence, comme complication, et la déficience sexuelle. Faut faire avec. On peut toujours avoir un accompagnement psychologique, parce que au point de vue psychologique, ça va affecter la personne, bien entendu. Et comme effet secondaire, il y a diminution de pulsion sexuelle, comme je vous dis, il y a la constipation, et l'urticaire, c'est la rougeur des dégluments, et la diarrhée, une éjaculation anormale, un embarras respiratoire ou écoulement nasal, ce sont les complications, les side effects de ce médicament-là. Étourdissement, vertige, faiblesse, maux de tête, nausées, troubles du sommeil, vomissement. Donc c'est ça, quand vous voyez que votre mari ou votre conjoint est votre mari sous ce médicament-là, donc heureusement que vous êtes tous ici très assez jeunes, et si vous pratiquez un régime sanitaire adéquat, vous pouvez en être exempt. Ce n'est pas tous les hommes qui vont avoir l'hypertrophie prostatique ou bien le cancer de la prostate. Ça va dépendre de votre régime de vie. Okay? Parce que le côté alimentaire, ça joue beaucoup dans cette affaire. Il y a aussi la phytothérapie, c'est-à-dire des médicaments à base de végétaux qu'on peut utiliser, qu'on fabrique au laboratoire, qu'on prépare au laboratoire. Il y a des comprimés de tadénan et de proxipromixon. Le tadénan, c'est à base de prunier d'Afrique qui possède des propriétés décongestionnantes sur la prostate. Et le promixon également, c'est ça freine l'action de l'hormone mâle sur la prostate. Comme je vous ai dit, c'est une pathologie androgéno-dépendante. C'est-à-dire que vous comprenez que c'est l'action de l'hormone mâle quand même qui va
faciliter ça, qui va faire développer le problème prostatique. C'est pour cette raison qu'on ne peut pas prendre de n'importe quoi et n'importe comment. Parce qu'il y a des gens qui veulent être plus virils et qui prennent des médicaments là. Mais c'est beaucoup d'androgènes que vous mettez dans votre organisme et qui a un côté négatif avec aussi. Mais ces médicaments à l'origine végétale aussi, ils ont aussi des side effects, des effets secondaires comme étourdissement, vertige, céphalée, hypotension, éjaculation anormale. Et il y a d'autres traitements. Comme je vous ai dit, il y a la résection de la prostate, il y a la dénomectomie, c'est la dénoprostatique qu'on réserve. Il y a la thermothérapie à l'aide de la chaleur, on fait un traitement. Il y a la cryothérapie, ça c'est avec du froid, le froid, cryothérapie. Et puis le laser également, ça permet de traiter aussi. Maintenant, nous trouvons un autre volet, c'est le volet du cancer de la prostate. Au point de vue épidémiologique, c'est le plus répandu chez les Canadiens après le cancer de la peau, autant que les mélanomes. Les mélanomes, c'est le cancer de la peau qui se développe au niveau de la peau. C'est quand il y a les mélanomes, c'est à partir de... Vous savez que la mélanine, c'est le pigment de la peau. Donc oui, ça... Mais c'est surtout les Caucasiens, les Blancs qui développent ça. Parce que nous, les Noirs, nous avons ce pigment-là, c'est pas un problème. Donc ce pigment-là peut affecter le système tégumentaire de certaines personnes, de certaines grappes de gens, et provoquer la mélanome. Mais disons que c'est le cancer le plus répandu chez les Canadiens, c'est le cancer... après le cancer de la peau. Donc c'est la troisième cause de décès par cancer chez les Canadiens. Et le taux de survie après 5 ans est le plus élevé de tous les cancers du Canada, c'est 95%. Et disons que 4200 hommes mourront de cancer de la prostate, ce qui représente 10% de tous les décès par cancer chez l'homme en 2020. Attendez voir, 4200 hommes mourront de ce cancer. Et chez nous, en moyenne, chaque jour, 11 Canadiens mourront de ce type de cancer. Les symptômes. Bon, ce n'est pas tellement différent des symptômes qu'on a vus pour l'hypertrophie prostatique. Il y a un besoin fréquent d'uriner, surtout pendant la nuit. On se lève tous très souvent durant la nuit pour aller pour uriner. Et les difficultés à retenir l'urine aussi, ou au contraire à commencer à uriner. Il y a une difficulté quand on doit commencer à uriner, c'est difficile, on prend du temps. Et puis, c'est pas tout à fait terminé, il y a toujours un résidu et impossibilité d'uriner, des urinaires faibles ou discontinues, une douleur, sensation de brûlure à la miction, des hématuries, vous avez dit que c'est du sang dans les urines, l'éjaculation douloureuse, vous comprenez ce que c'est? Quand vous éjaculez, ça fait mal, c'est douloureux. Et puis la douleur sourde au dos, au niveau des hanches et au haut de la cuisse. Au point de vue paraclinique, on entend souvent parler du PSA. C'est le prostate spécifique antigène. C'est un antigène prostatique. Et le dosage est recommandé à partir de 50 ans. Et c'est élevé aussi dans d'autres cas. Mais il y a un niveau à ne pas atteindre. Un niveau. Et on va voir ça plus tard. Dans un épisode de prostatite aiguë, ça va faire élever le PSA. Un toucher rectal, ça va faire élever le PSA. Un rapport sexuel aussi. Un effort physique intense ou en cas d'hypertrophie bénigne de la prostate, on peut avoir un PSA élevé. Comme traitement, il y a le traitement des formes localisées, il y a le curage ilio-obturateur, c'est-à-dire curage ganglionnaire, les ganglions qui sont affectés, on les enlève au cours de l'opération. Il y a la prostatectomie radicale, c'est quand on enlève toute la prostate. Et la cœlioscopie, l'intra- et extrafaciale sont des interventions, et curéthérapie, hémothérapie, radiothérapie.
et hormonothérapie, c'est-à-dire rayon par des rayons, traitement par des rayons, traitement par, par les hormones aussi. Et bon, les complications de l'hormonothérapie, quand on prend les hormones, et les complications immédiates, c'est bouffée de chaleur, baisse de la libido, dysfonction érectile, prise de poids, anémie, asthénie, un syndrome dépressif. Comme des complications retardées, on aura l'ostéoporose, c'est la fragilité des os, par manque de calcium, et puis le syndrome métabolique. On va voir le syndrome métabolique. Le syndrome métabolique, ça constitue une hyperglycémie, une hypertriglycéridémie, une hypercholestérolémie. Tout ça sont les graisses qui augmentent, et le taux de graisse qui augmente, avec augmentation de la mortalité cardiovasculaire. Ça se comprend, parce que la graisse s'accumule, la graisse là, va obstruer les vaisseaux sanguins et va et réduire la circulation et réduire aussi et la nutrition des cellules et des tissus. Donc ça va réduire et l'approvisionnement en oxygène et en tout. Donc ça réduit. Donc et vous comprenez que quand les vaisseaux sanguins, les vaisseaux du cœur sont intéressés par ces dépôts de graisse, on va être en train à faire un arrêt cardiovasculaire ou bien une crise cardiaque. Bon, pronostic et complications post-chirurgicaux, la mortalité après l'intervention est quasi nulle, inférieure à 1%, mais les complications, c'est vraiment c'est l'incontinence urinaire et l'impuissance sexuelle. Les complications de l'intervention. Et c'est l'incontinence urinaire, comme je vous ai dit, et puis l'impuissance sexuelle. L'impuissance qui varie avec de nombreux facteurs aussi, en particulier l'âge et la possibilité de conserver les nerfs érecteurs, en moyenne 70 à 100% des nerfs. Au bout de l'intervention, il y a des nerfs qui partent, il y a des nerfs qui sont lésés, il y a des nerfs qui sont out. Et puis les nerfs érecteurs. Donc ça se comprend qu'après cette intervention, il est possible. Il va être très probable de développer cette complication qui est l'impuissance sexuelle. D'ailleurs, la pathologie même est cause d'infection et d'impuissance, et voire également l'intervention, cette chirurgie-là également. Voilà. Voilà, et pour le PSA, l'antigène, à moins de 50 ans, le taux est 2,5 nanogrammes par millilitre. Entre 50 et 60 ans, c'est à 3,5 nanogrammes par millilitre. Entre 60 et 70 ans, c'est à 4,5 nanogrammes par millilitre. Mais déjà à 4,5, à 4,5 nanogrammes, c'est déjà inquiétant. Donc, pas à 100% parce qu'il faut faire des examens pour confirmer ou infirmer le diagnostic de cancer de la prostate. Quels sont les facteurs qui augmentent le risque de cancer de la prostate? Par exemple, un apport calorique important. Donc, on doit surveiller la quantité de calories qu'on prend à travers, avec les aliments chaque jour. Et ma fille, là, elle s'intéresse beaucoup à ça. L'homme, tu me dis toujours, regarde le nombre de calories. Il y a trop de calories, il ne faut pas en prendre trop. Et oui, et un apport élevé en calcium aussi. Ça cause ça, et puis une alimentation riche en viande, les viandes rouges, la viande trop cuite, calcinée, la viande transformée comme si saucisse, et saucisse et bacon, tout ça, et hot dog, et une alimentation riche en lait et en produits laitiers,
il y a une possibilité que ça s'arrive. Et puis l'obésité et puis le tabagisme, tout ça sont des qui augmentent le risque de cancer de la prostate. Retenez ça, c'est un apport calorique important, un apport élevé en calcium, une alimentation riche en viande, en carne, une alimentation riche en viande, une alimentation riche en lait et en produits laitiers, une obésité et le tabagisme, c'est-à-dire mes frères qui fument. La majorité des hommes atteints meurent d'autres causes, maladies cardiovasculaires, ça se comprend, je vous avais dit, il y a un trouble, un déséquilibre au niveau des glycérides. Et puis avec possibilité risque de crise cardiaque. Bon, comme conseil, il faut manger beaucoup de légumes contenant du soufre, tels que les brocolis, les choux brocolis, choux de Bruxelles, choux fleurs, qui contiennent des antioxydants qui des radicaux libres qui combattent les radicaux libres, n'est-ce pas vrai, qui prennent en charge les radicaux libres, qui sont responsables du cancer. Donc il y a des aliments qui sont des antioxydants. Par exemple, là, nous avons vu ces légumes qui contiennent le soufre, les tomates également avec le lycopène que ça contient, et la vitamine E, gamma et alpha-tocophérol, et plus là, le sélénium, ça c'est bon. Le zinc qu'on trouve dans la citrouille, les haricots, les grains entiers, mais il y a beaucoup de zinc aussi dans les fruits de mer. Comme on n'en mange pas, je n'ai pas mentionné, mais et par exemple les huîtres, quand tout ça, il y a beaucoup de zinc là-dedans. Et ça favorise la fabrication de sperme, tout ça, etc. Le germe de blé, les grains de soya, c'est bon. Le melon, mandarine et puis l'ail. Bon, il y a là quelques recettes qu'on vous donne. J'ai trouvé beaucoup de recettes et pour contrôler ça, même en cas de cancer de la prostate. Et une cuillerée d'huile d'olive avec plus qu'une cuillerée de jus de citron. Vous prenez ça, mélangez, ok? Une cuillerée d'huile d'olive. Oh, comme vous voulez. Prévention ou traitement? Non, prévention. Prévention aussi. Ça, c'est prévention. Des fois, prévention, ça peut. Quand vous l'avez aussi, vous pouvez le prendre, ça peut aider aussi. Donc, et puis, comme deuxième recette, c'est boire un verre de jus de grenade chaque jour. Et troisième recette, c'est faire un jus en mélangeant raisin, curcumé, gingembre, céleri. Retenez ça. C'est important, c'est bon. Et peut-être que je vais. Oui, je vais laisser ça sur le tableau. Si vous voulez prendre ça en note, c'est quand même, si vous avez ça, c'est déjà beaucoup. Hein? Pour contrôler, pour prévention et pour. Prévention et traitement. Ah, les deux. Oui. Ça peut aider en cas de cancer, mais si on prend ça pour en termes de prévention, ça va être mieux. Oui. Okay.